plusieurs années là que un groupe bandit dans une section dans la commune Tibion et qui a des problèmes. Mais chef bandit a été venu mourir, rescuer Théo. Il y a là jusqu'à présent, il y a mis des populations en otage, il y a théorisé les gens, les gens ne peuvent pas marcher, les marchés ne peuvent pas fonctionner, les gens ne peuvent pas circuler bien. Nous, même dans la Kawana, il y a combien de fois vous voyez une nouvelle dans nous, il y a privé sur nous, parce que c'est nous-mêmes qui campons contre les bandits dans la zone. Il y a privé sur nous dans la nuit pour nous, pour venir tuer les gens dans la zone. Est-ce que vous faites action déjà dans la zone? Est-ce que vous êtes victime? Tout le monde a victime dans la zone. Il y a des gens qui ont plusieurs personnes qui ont tiré, qui ont kidnappé, qui ont fait payer l'argent, qui ont pris l'argent dans les gens, qui ont monté en dehors avec un ami qui ont fait payer l'argent. Jusqu'à présent, nous allons la police. Combien de fois nous faisons intervention de la police, c'est pas jamais fini. Ok, mais qui zone qui est responsable pour la sécurité de la Kawan? Non, Kawan, normalement, c'est la centrale ville Tibion, c'est la commune Tibion. Depuis 6 mois, depuis le mois de janvier, il n'y a pas de policier dans la commune Tibion. Là, pendant la parole, pour jusqu'à présent. Mais nous levons aujourd'hui, depuis combien de temps? Oui, mais nous sommes bloqués depuis qu'il nous commence à mobiliser. Pour qu'il là. C'est aujourd'hui à nous bloquer jusqu'à ce que la police dans la zone. Vous savez, la police dans la zone pour les bandits au parler. Encore nous-mêmes, nous avons débloqué. Depuis que la police dans la zone pour la sécurité, pour aller des bandits, on a débloqué pour nous circuler librement. Les gens là, ils sont là, ils ne sont pas venus, ils ne sont pas venus. Moi, c'est Nicolas Maricola. Moi, ensemble avec staff Marathon Campérin, côté que nous parlons les noms de long et en loge. De marathon qui est pour lui organisé dans 30 juillet à Nessa, côté qui va faire nos 4e édition. Nous fait 3 déjà qui étaient une réussite selon nous-mêmes parce que le feedback là a montré que son activité qui a une importance dans la communauté a une belle valeur et peut-être ça malgré chaque année gagner des séries de problèmes, nous toujours gourmets pour que nous baillons le marathon campérin qui vient comme si une tradition pour nous. Et je pense que pendant que moi avec staff là, avant que nous arrivions plus loin, m'a présenté nous, reste 3 monsieur Sayo qui ensemble avec nous. Nous avons un responsable médical qui c'est docteur Steve Toussaint. Nous avons un staff coordination ensemble avec logistique qui c'est docteur Laurent ensemble avec agronome Fafane. M'a quitté pour vous présenter pour vous dire plus de vous qui ça que vous gagnez comme responsabilité en dedans comité là pour nous continuer. Non pas moi, c'est Steve Toussaint, docteur Toussaint, et que nous gagnons 4 ans depuis que nous travaillons de concert ensemble avec Marathon Campérin, qui vient avec l'autre couleur dans la commune. Côté que nous avons parti dans la question d'athlétisme qui était déjà abandonné, et puis avec Marathon Campérin, nous venons mettre plus jeunes et dans l'activité ça. Alors que le rôle par moi-même, qui ça me fait dans le marathon, c'est toujours dans le secteur médical là, côté que les athlètes ont besoin de support au niveau de la route et les arrivées tout, pour être capable de venir les soins nécessaires qu'ils ont besoin. Alors que nous sommes toujours là pour nous bailler service. Et pour ça, je m'a profité du public en général que nous gagnons une clinique médicale, qui c'est la clinique Docteur Toussaint, qui campérait, qui soit adoquéant. Presque en face camping là, n'importe lequel que nous avons besoin de service, nous sommes capables de passer, visiter nous dans la clinique là tout. Alors nous avons passé à confrère New York qui parle de plus de marathon. Non pas c'est Richemont Loro, nous sommes médecins, nous faisons partie de staff de coordination FOA dans le marathon campérin. Marathon de campérin non seulement lié un rapport avec sport, mais ça permet que nous exposer artisans nous pour tout le monde capable que qui ça que artisans nous offrent dans la commune. Et c'est un moment tout pour tout le monde qui est en dehors de la commune.
Camperin qui à l'extérieur viennent visiter Camperin. Et ça permet que gagne une portée économique. Parce que y a un monde qui gagne non seulement pour lui exposer, monde capable de venir non seulement ou acheter, mais ça permet que vous découvrir Camperin. Parce que à travers Marathon de Camperin, son opportunité pour nous gagner que pour nous vendre Camperin, pour nous vendre l'autre image de société nous, pour nous vendre l'autre image tout de athlète nous. Parce que non seulement nous en rapport avec sport, mais ça permet que nous ouais et ça que Camperin gagne la Cali comme produit. On a fait place avec Agonon Stéphane qui nous coordination ensemble avec pour nous plus explication. Et nous pas c'est Stéphane Richemont, moi c'est Agonon. Moi je fais partie du staff coordination marathon hein. Et fois et marathon et fois qu'a fait année ça Camperin c'est plus précisément Bouette. Et nous remarquons nous-mêmes Camperin jeune Camperin que activité qui qu'on fait chaque année yo, il puisse résumer à balle. Et nous-mêmes nous dit que yon fête patronale tant qu'on commune tant qu'on Camperin pas qu'à résumer à balle. Gain l'autre bagay que nous ka vendre. Par exemple, nous gen athlète nou yo, nous gen artisan nou yo. C'est dans optique ça nous même nous te décidé mettre ensemble pour nous te faire marathon de Camperin qui sont activités sportives et que nous konn faire qui te konn commencer Masseline et puis qui finit qui passe route 9, passe par Embarcan et puis qui vient finir la Bouette. Année ça nous changer, n'a commencé c'est Kafou Simon et puis qui passe route 9, qui passe le vie Embarcan et puis qui finit là. Égal c'est dans optique ça nous même nous choisi on ti gens virer bagay yo que parce que gen trois moun qui a rentré DJ rentré jazz que nous même nous choisi pas rentrer dans même logique là que nous gen l'autre bagay que nous ka vendre Camperin égal nous même jeune Camperin noir mélangé avec l'autre ancien tout tant que commandant Mario et tant que l'autre moun Mario Plaisimon qui dans staff marathon même que yo pas là vi nous choisi faire et activité ça année comme ça. Merci. Pour non debout sans tout ka courir ou c'est athlète et vinn inscrit ou pas courir pas gain l'âge là-dedans. Est-ce que les gens c'est seulement pour garçon ou bien pour filles? Ni filles ni garçons tout ka vinn courir yo tout a gain prime pa yo mais li pas mélanger fiag par exemple si gain un garçon qui rentre en premier on fille en deuxième, fille qui va en deuxième en tant que fille là, c'est premier dans la catégorie par là. Comme nous t'a demandé à Godom enrichment qui vient premier, et premier c'est même quand tu es comme pour ni garçon ni fille parce que dans marathon Camperin nous retirer ça les discriminations parce qu'on c'est femme ou doit toucher pays petit corps pour même travail qu'on fait avec garçon. Premier c'est 100 000 gouttes pour premier, 60 000 gouttes pour deuxième, 40 000 gouttes pour troisième là. Et m'a fait nous connaître que l'initiative, ça, c'est une initiative IG Mario Aubergis. C'est un monde qui est tellement apprécié, ça qui est le sport. Il vient avec un mouvement, ça, en deux communes. Nous, même comme jeunes, nous embrasser l'idée avec et pour nous bailler les résultats. Et nous pensons que avec nous, mais ça, c'est à privé plus loin parce que nous besoin de collaboration, tout le monde qui est dans la population, parce que c'est là où on peut l'utiliser. Nous avons besoin pour que les chauffeurs collaborent ensemble avec nous, pour que les athlètes puissent passer, pour qu'ils camper, pour qu'ils puissent passer. Nous avons besoin que la population mette les actifs pour aider nous supporter les athlètes. Parce que c'est dans l'après-midi, parcours la longue, si vous avez de l'eau en rue pour nous, si vous avez des qui ont problème, qui aider nous, accompagner nous, même si nous-mêmes nous avons un staff médical là, qui là, ambulance qui là, qui pour protéger nous. Nous pensons que tout le monde doit compter pour réussir une belle initiative, ça, bel événement, ça, parce que c'est pour Camperin lié. Nous prenons quitter pour Camperin parce que nous-mêmes qui la staff, ça commence grand monde, parce que nous prenons faire l'autre jeune pour nous quitter les barrières, parce que nous disons dit que marathon Camperin entre dans la tradition du monde Camperin. D'ailleurs, même là, pas content d'elle, ils nous demandent nous ne pouvons pas faire, Et mon artisan tout que nous venons entrer là-dedans, c'est parce que mon yo dit un bel bagage comme ça, yo même tout, dans moment faut que yo ka offri mon kap vini yo ça que yo gagne comme talent, comme capacité, comme produit en dans communauté a, et nous profiter avec marathon Camperin pour nous vendre ça que nous gagne comme beauté, comme potentialité, parce que dans toute journée mon a vinn Camperin, yo pral la prise, yo pral somaturine. Y a manger ensemble parce que n'a bien tom, n'a bien là l'eau toute bagaille, tout manger haïtien, n'a bien là pour nous dans moment comment que nous ka faire une belle retrouvaille parce que fête cette année pas qu'à résumer seulement avec balle,
n'a bien Congo, n'a mis en nous tout jeu traditionnel longtemps, n'a bien tout un de marathon, une façon pour nous pas quitter culture, nous mourir, nous font mariage de sport et de la culture pour nous faire un bel fait. Non, pas prendre un goût, quel nom est athlète, quel nom est artisan. C'est gratuit, tout bagage gratuit en de marathon, rien pour ni athlète, ni artisan. Parce que nous connaissons que dans un moment, les choses sont difficiles, peut-être la préparer. Et à manger et à tout l'autre bagage qui peut faire que les confortables dans le jour. Et nous connaissons les artisans retour sur passe une période après tremblement de terre, nous n'avons aucune activité pour vendre les produits que nous avons ou bien pour aller dans des forts. Nous battons pour ça que nous avons pour frère, nous utiliser comme transport pour venir dans le marathon. Tout simplement, il y a venu avec une nappe pour couvrir la table que nous avons baillé. Est-ce qu'il y a une date limite pour inscription pour activer ça? Comment après, est-ce qu'il y a une date limite pour inscription? Oui, parce que. Oui, il y a une date limite pour qu'il faut que nous fassions préparation pour chacun. Les coureurs, la fin courir, nous gagnons sucre pour nous balayer comme si il y a des séries de fruits pour nous réhydrater. Ça veut dire qu'il faut que nous gagnions préparation pour lui. Et même pour les artisans, il faut que nous préparions quantité de tentes, quantité de tables, espace, tout ça. Et athlètes, il faut que nous connaissions comment que pour nous gérer, si nous avons une centaine, si nous avons plus, combien de bus pour nous gagner, parce que c'est camper en absolu avec chacun qui camper pour nous aller au carré ensemble avec eux. Donc, date là, on a fait le 26 juillet, dernière date pour ni coureurs, ni artisan pour y'a venir inscrire. Bon, okay. Tout à l'heure, on se parlait de questions d'être pas payé. Mais tout ce qui est là, il y a beaucoup. Nous connaissons tout ça qui est gratuit, bon monde qui paye le coût. Qui compte une solution sur le pays? Nous gagnons des séries de monde petit campérin, qui remet campérin, qui aide nous. L'année dernière, nous avons des séries de sponsors qui ne répondent pas à l'année, mais genre que nous avons des séries de petites campérin, de monde qui vivent dans la diaspora. Qui aide nous avons un fan qui a abonné notre prix. Et nous avons Solo Energy, nous avons la différente bolette. Ça, c'est ensemble, mon saio. Et puis l'autre que je n'ai pas gagné qui est dans la tête, là, parce que surtout avec l'IS, non, mon yo. Je n'ai pas gagné dans la tête. Mais après l'événement, nous avons venu avec l'IS, et puis lors de l'événement, tout, nous avons pris Mario sur l'espace là et n'a pour présence n'a commencé ouais monde qui était vraiment sponsorisé nous parce que staff qui responsable en partie financière pas avec moi pas capable toutes les sponsors heure de départ c'est 4 heures c'est non dans l'après-midi parce que nous te compte faire le matin pour nous te faire athlète plus confortable mais monde qui peut pas jouer spectacle, c'est le saut dans la balle, le lever, bon 10h, 11h, marathon est fini. Ils ont dit que nous n'avons pas fait tout investissement ça pour nous-mêmes pas bénéficier du spectacle. Nous venons virer dans l'après-midi, même ça vient faire nous coûter nous plus comme, parce que à tête, nous avons plus d'énergie, nous obligeons de plus de monde qui a besoin de bras, de l'eau, manger, tout ça, éclairage, tout ça, et puis. Dans l'après-midi, circulation plus dense, ça fait que nous besoin nous gagnons pile en pile travail et jusqu'à présent, si y a monde qui voulait venir sponsoriser nous ouvert parce que ça gagne pile dépenses, un gros coût pour ça nous ouvert pour ça n'attend nous parce que nous pas qu'à quitter culture la caille nous sport que pour nous quitter timonio jeune après aller dans plaisir que alcool donc tout ça en nous voit comment que nous avons encouragé à rester dans un bagage qui sait. Donc on a des pousses toujours pour équipe monde qui a couru, qui a empêché l'athlète, qui a mis dans un auto, qui a mis dans une machine. Et qui a géré nous-mêmes pour côté panouane. Est-ce que c'est tout le monde qui a bien droit à faire ça ou bien il va y avoir sur place pour gérer ça avec nous dans les autres ça qu'on a déjà fait. Il y a une pousse par pousse par nous, mais surtout un pile pousse qu'on a fait, nous on a suivi dans le pays même. Chance pour nous, Marathon Campérin, c'est une collaboration entre PNH et Moun Campérin. Nous avons dit que Marathon Campérin, c'est une activité de la PNH. Et ça veut dire qu'à chaque fois que le Marathon Campérin, on a pris que la rue, c'est la police qui bloque parce que c'est une initiative de la police. Et je pense qu'à chaque fois que nous faisons un Marathon Campérin, nous toujours limité dans les dégâts. Parce que la police est toujours présente et nous avons beaucoup de chapeau à la police dans le sud, spécialement DDS Compère.
et nous pensons que tu as toujours présent avec nous année pour que le problème ça continue pas répéter ou bien pas venir produire dans le marathon Cap-Brest. Parcours lancé Simon, vous passez l'arrivée de Bossé NEA, Dichard, je crois, Matinière, ou entrez dans l'ancienne route et vous venez tomber Cafoubet.